Balinga mi kati na Yesu ya sikeye. Ya sikeye. Na yuta bido ya sikeye. Fokotu na naya nini yango. Café chrétien. Café chrétien. Emission na yo. Emission na ye. Emission. À refaire, moi je chanterai toujours Jésus. Balinga mikati na Yesu apesi bino bonsoir ou bonjour selon l'heure avec laquelle oyo boza kolanda biso toujours na cadre ya émission na biso café chrétien na cadre émission biso café chrétien café chrétien lelo ezali po na liloba liloba ya nzambe oyo kolisa biso mosali na ntoma. Je suis en français apôtre, apôtre Miguel Mavatiku de l'Angola. Je suis en collège à Bissot Café Chrétien à Lelo. Mais dans mon coussin, il faut trouver qui est apôtre Miguel Mavatiku. Apôtre Miguel Mavatiku, c'est un homme de Dieu. Quand vous attendez le mot apôtre, Azali apôtre. A zo grâce à côté pour la partie par là dans mboka mingi il y a poto et nzamba pamola ki banda za ki bona mukie na âge 18 ans azali déjà moto za na mbongo asima mbongo ndenge nzambe aloba que vous prospérez quoi tous égards et azali moko ya disciple ya adina bala tu ebiye musala nzambe monene ko atika biso à son âme ou à Tikabisson à Moukili Oyo, mais à cela qui moussala Nzambe, il a fait pas comme moussala Nzambe, ou à fouler l'église, il dit Père, pas toi Nzambe, pas ça Nzambe, il dit Père, il dit alors, moi, dans les combats qui m'ont dit pour apôtre, moi, je suis mon cœur, à comment un niveau apôtre, ami qui dit ça, bien qu'à cela qui n'a pas bon, mais apôtre, à ce qui est nassé à ma colonne. Il y a des Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Mais l'autre côté à Suisse, il y a Belgique,
et na ADV, là c'est pasteur Tony. Mais c'est que je avant tous les cabots, tous les canons, nous avons mon habit sur le nous avons mon oya, Moïse et Matuta. Ma camarade, je suis venu à mon petit, petit, n'a rien à l'aimer, moi n'a l'aimer. Tu vois les gars, tu vois, tu n'as plus vu, n'a rien à l'aimer, mais tu n'as pas passé un bambi, docteur Mbambi, débé, tu as compris, tu n'as pas besoin de conseil. Merci beaucoup, Régis Toléka, tout à l'heure, les gars, Moïse et Matuta, nous avons tout boulaye. Zabazolokoum, merci beaucoup. Tous les deux. C'est des cris de joie pour l'Éternel des armées. Alléluia. Jésus. Aïe, n'a qu'on est pas des casinats, n'a qu'on est pisaïe.
Nayoka Milolo, Nayoka Milolo. Celui qui le retiendra sera béni. Il ne sera pas là à venir tout le temps chercher après la délivrance. Reste là. Dieu sait le temps, il va agir. Et Dieu, lorsqu'il agit, cela dépasse même notre entendement. Élie, prophète munene oya Nzambe. Élie qui était un grand prophète de Dieu. Et c'est lui qui avait prophétisé pour en disant qu'il enfantera. Mais lorsque le temps de poser Samuel dans le ventre de Anne était venu, Dieu a rendu Élie sourd et ses yeux ne voyait plus. Atuni ana na kata sal ano meli masanga meye vrai prophète. Est-ce qu'il bagite katoni na moli musa? Et il a demandé à Anne dans le sanctuaire, Anne, est-ce que tu t'es enivré? Mais lui qui était prophète ne pouvait pas comprendre. Son zamba linga sala makambune ya guérison pona maladi na yo, pona kobota no pona problème na yo. Eza histoire ele kaka so mwa si akomi na zemi ya 8 mois forme mwa ne zala asute. Et si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie pour ton miracle, pour la concession, c'est comme ces mystères de l'enfant dans le ventre de sa mère de 1 mois jusqu'à 8 mois. C'est bizarre. Kende échographie souk en 7 mois, 8 mois, docteur au salon échographie parce que on est compliqué, c'est que ça moi les aura sauté. Et tu peux aller passer l'échographie du 1er mois jusqu'au 7e mois. Au 8e mois, tu ne pourras plus le faire car ça devient compliqué. Le sexe de l'enfant n'est plus visible. Ça, ce sont des mystères du père ainsi que de la personne au travers de qui il veut agir. Nous sommes des ponts pour te traverser. Nous sommes des ponts pour vous faire traverser dans les royaumes de Dieu. Ce n'est pas dit que nous avons terminé de nous faire des choses. Nous avons la connaissance de nous. Mais grâce à nous, nous avons exercé avec beaucoup de zèle. Parce que nous avons tantôt.
Et ce n'est pas parce que nous nous tenons devant vous que nous sommes plus intelligents. C'est une grâce tout simplement que nous avons reçue de Dieu et nous devons exercer cela avec zèle parce que demain peut-être nous ne serons plus. Cet après-midi, je voudrais vraiment que tu sois un chrétien qui va marcher avec la justice de Dieu. Alors que je suis en train de te prêcher, je suis aussi en train de me parler à moi-même. Et moi, je ne pourrai jamais accepter d'être comme une cloche de l'église catholique et que je puisse sonner la cloche et moi je reste dehors. Alors que je suis en train de te prêcher, je me prêche aussi. À moi-même. Donc être dans l'église n'est pas synonyme d'être enfant de Dieu parce que parmi nous il y a aussi des féticheurs. Si je commençais à pointer du doigt, vous verrez il y a certaines personnes qui portent encore des cordes autour de leur taille. Et il y a des personnes qui ont des rancœurs de haine, mais sont quand même venues à l'église. Et vous êtes en train de vous quereller les postes, même dans l'église du Seigneur. Et c'est nous, nous bloquons tous les staffs avec le chantre. Personne d'autre ne pourra s'approcher. Et ceux qui sont aussi proches du pasteur sont en train de bloquer pour les autres personnes ne puissent pas intégrer le groupe. Mais la vision du pasteur Tony n'est pas ce que toi tu penses. La vision du pasteur Tony est que toi et lui puissiez entrer au ciel. La haine que tu as en toi et ces postes que tu gardes jalousement fera que tu puisses rater le ciel. Nous ne pouvons pas nous tenir ici et prêcher sur l'amour si nous-mêmes qui vous prêchons, nous n'exerçons pas l'amour. Et vous aussi, lorsque vous venez ici, ce serait en vain que nous continuions à crier comme si cette parole qui est de l'eau tombait sur le dos d'un canard. Donc parce ça ne peut pas pénétrer. Parce que le canard est donc son habitat naturel et l'eau et de ce fait il est devenu imperméable. Et bien aimé, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et entre dans la justice de Dieu et tu seras béni. Alléluia. Amen. Je sais que la voie est dure, mais le Seigneur lui-même va nous aider et nous y parviendrons. Alléluia. Amen. Je n'aime pas le chrétien chauve-souris. Parce qu'il a cette forme. Et parce qu'il y a cette forme en un seul animal. Il est canard, il est le chat, il est le chien, il est le rat. Et parce que le jour où il meurt, ça devient vraiment un problème sérieux parce que le chien lui se pointera en disant « Je suis venu le chercher car c'est un de nôtres. » Et le chat aussi lui rétorquera en disant « Examine bien ses dents pour voir si ça ressemble aux dents de chien. » Et les rats aussi viendra se pointer en disant regarde ces poils et les miens ne se ressemblent-ils pas? Et cela veut tout simplement démontrer que la chauve-souris n'a pas une identité propre. Je voudrais que toi tu puisses porter l'identité de fils de l'ADV. Être humble comme votre pasteur. Et être humble comme mon pasteur Nabino. Dans certaines églises ici en Europe, je n'irai jamais prêcher. Et
Et il y a certaines églises ici en Europe dans lesquelles je ne me rendrai jamais pour prêcher. Il y en a un qui m'avait téléphoné hier soir. Je lui ai clairement répondu. Je dis, je ne viendrai pas. Je préférerais en mars aller en Turquie ou ailleurs parce que moi, je prêche la vérité. La vérité. Et je leur ai dit, je suis venu te prêcher la bonne nouvelle pour que tu te répandes. Mais je ne suis pas venu pour ton argent ni pour tes biens. Son allégina a devenu théa parce que Natalaga Kimia Oezana passé Tony, simplicité à Zalaganango, Nena confirma Razamotunanzame. Et si je viens à l'ADV pour prêcher, c'est par rapport à la paix qui repose sur cet homme de Dieu, le pasteur de Tony, ainsi que son humilité. Yango Mukwana Ebsegibino Nzambalimbi Sabino, premier Fonasala Mate, Awa, c'était le 29 septembre, il y avait des gens babeta mabagu parmi groupe on a bakuta lagi nanga basenga pardon balobia yeli biso matin nzambe malamu ya masumu mais sali lité nzambe malamu sama lo banzambe malamu a devait exister te parce que biso nous tout pas dina bal. Je vous avais dit que le 29 septembre, je suis passée ici, j'avais prêché un message et certaines personnes, cela a été une occasion de chute pour eux. Ils ont dit que je leur avais apporté un enseignement de Nzambe Malamu venant d'Adinabala. Et je voudrais éclaircir que sans le pasteur Adinabala, nous tous, nous ne serions pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la personne, la première personne à avoir dit Alléluia, Amen, c'est lui, Adinabala. Et maintenant, que devons-nous dire? Que le Dieu de l'Angola est différent du Dieu de la Belgique. N'est-ce pas qu'il est le seul Dieu? C'est lui qui ressent la douleur dans le ténèbre. Et parce que la pierre l'a touché. Mais la parole de Dieu doit te blesser, doit te trancher et non charmer tes oreilles. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments, mais le corps est un temple et un Saint-Esprit. Et la Bible me dit que les aliments sont pour le corps pour les aliments, mais le corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a séparé. Il y a une bouche qui nourrit le corps et il y a une bouche qui nourrit l'esprit. Et si une personne trouve une occasion de chute par des prédications, cela veut dire que cette personne mange la parole de Dieu par la bouche physique. Et la foi vient de ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Et si la personne se nourrit par la bouche spirituelle qui est les oreilles, c'est la raison pour laquelle on dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Chinoise à l'égard lobby bientôt Jésus arrive. Chinoise batuba sambe la rabouda nzamba lobby n'a pas sa message na ADV bientôt Jésus arrive. Mais yo zolinga matea oba koye biso kobota mwana amen okosomba mutuka amen ekombe mona lola ce sont des restes ezaba les restes amen. Une chinoise. C'est pela na moto azoyebisa otika masumu po kene na lola. Réjouis-toi d'une personne qui te dit abandonne la vie de péché pour aller au ciel. Souci na nga oloba menite pe obete nga maboko te obete obete te lola obete nga maboko lola selo belanga meme. Souci na nga ezali oyo ka nzambe na nzela na ngai. Ma préoccupation n'est pas que tu m'acclames mais parce que le ciel m'a déjà a déjà acclamé pour moi mais mon souci réside plutôt à ce que tu écoutes la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Qui est le Seigneur, que, c'est Jésus. Que Jésus-Christ soit glorifié pour toujours. Vision église, la vision de cette église, c'est celle que tu vas avaler et tu vas suivre, c'est que les recommandations de l'ange de cette église. Si vous avez autant de versements pour toi aussi, ça va bien. Bref, 45 minutes, 10 minutes pour la et à présent, nous allons lire un verset pour clôturer pour dans les 45 minutes. Il reste 10 minutes. Aujourd'hui, je suis en train de clôturer sur les enseignements que j'avais donnés la semaine. 2 Samuel 24, 18 à 24. Nous allons lire 2 Samuel 24, 18 à 24. Que Dieu puisse t'amener à te repentir aujourd'hui à travers ce message.
Vous avez fait de votre pasteur Jack Bauer. Et lorsque j'observe cela, j'ai pitié pour le pasteur Tony. Compassion de l'église mingi na motema. Il a un cœur trop compatissant. Alléluia. Amen. Azabena pasteur. C'est réellement un pasteur. Mobate libampate. C'est vraiment un gardien de brebis. Ngana za mudu na chef fondement na l'église. Moi, je suis une personne, lorsque je mets le fondement, après je passe. Je te dis que le pasteur Tony a un cœur large. Moi, si tu refuses de prier ces jours-là, prie à ce que les problèmes ne te rendent pas visite. Moi, dans mon église, tout le monde savent, je n'ai pas un ministère d'hypocrisie. Je n'ai pas une évangile tortueuse, j'ai une évangile de droiture. Et je viendrai fendre ton cœur et je prendrai Jésus et le placer dans ton cœur. Et si tu refuses, le Saint-Esprit te prendra en charge par rapport à la parole. Et Dieu a fait la bouche pour manger comme une porte. Regardez, je ferme ma porte. Mais la nourriture spirituelle, le Seigneur a refusé de placer une porte afin que le gens soient guéris. Amen. Tu pourras fermer tes yeux, tes oreilles, croiser tes bras, mais tu ne pourras jamais fermer tes oreilles. Raison pour laquelle la parole de ce soir puisse prendre place en toi afin que cela te permette d'accéder au ciel. Alléluia. Amen. Tika ko cela maintenant dans l'église Malachi 3:13 que netanga on andako kolozo regreter bandim bazolo ba papakano basomba ba camion batongi bandako kolwa lobi eza ba les restes mukona ko futa bino boko comprendre ba ba sale la kanga na ba ba sale la kanga ite. Amen. Malachi 3:13. Le Seigneur nous dit d'arrêter de nous lamenter, nous, chrétiens dans l'église. Et il dit, le jour, il va nous rémunérer. C'est alors que nous saurons la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Moi, je ne lis pas la Bible à l'église, je lis la Bible à la maison. Tout est ici. Toi, prends le temps d'écrire. Amen. Qui est le Seigneur? C'est Jésus. Malachi 24:18-24, nous lisons dans le nom de Jésus. C'est 2 Samuel, pardon. Ça va? Oui, ça va bien. Est-ce que vous allez? Si, si, je suis ici. C'est parce que j'ai traduit. Amen. J'ai traduit sur Malachi, ma bouche a fourché. Excusez-moi. Je lis dans le nom de Jésus. Ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravan. Les Jébusiens. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, le bœuf seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de poids. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 sicles d'argent. C'est la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que les bâtiments de l'ADV, un seul individu peut l'acheter?
Je voudrais te prêcher une chose pour clôturer et aller m'asseoir. David, nzambe alobi sombela nga esika. Et pour David, Dieu a lui a dit, achète pour moi une place. Et il a dit, après l'avoir acheté, que tu puisses faire un lieu de sacrifice. Alléluia. Amen. David a zui mi solo. Et David prit de son argent. Il avait écouté Dieu. Pasteur et église, nous avons tellement qu'il y a les premiers dans l'Olanda. Alors, cette fois-ci, il faut que tu sommes église. Ton pasteur de cette église s'est tenu ici le premier. Je l'ai suivi. Il a dit, il faudrait que nous achetions un terrain. Et il a dit, achetons un terrain ou un bâtiment. Afin que nous puissions offrir à Dieu des holocaustes. Il a écouté la voix de Dieu. Et il ne pourra pas acheter ces bâtiments tout seul. Et je vous avais dit dans la prédication, il est comme Pierre qui avait jeté le filet dans l'eau. Nombre de personnes à cause de la montée, il était caché, passé Tony, caméraman, passé Tony, Moyembi, passé Tony, interprète, passé Tony, T. Et Sengeli, Boya, Tobenda filet, ambition, yo, Pombisaya na Mokili, to bénéficier pas une tata. Amen. Je vous avais dit comme Pierre qui avait jeté le filet. Alors le pasteur Tony tel qu'il est là, avec autant de monde, il ne peut pas être à lui seul prédicateur, interprète, travailler à la média, protocole. Non, il faudrait que nous puissions joindre nos efforts ensemble et tirer les poissons pour l'amener hors de l'eau. Mais Moudou, yo yé pas bendi ça passer Tony filet. Vous voyez ba musala na yo ezanini. Yango na le bagina lingyo yé ba mission na yo na kata vision ya ADV ya yo ezali nini. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que toi qui viens ici, tu dois connaître ta mission, ton rôle par rapport à cette vision. Vision et ça la rana ba présent. La vision agit avec les présents. Alléluia. Amen. Soyez aux secrétaires, sala tag secrétaire nayo avec beaucoup de zèle parce que les foot vous ont pas passé Tony de pepa nzambe ya passé Tony. Soko za moyembi, beta nzenze na kimia, yemba na kimia, soko zo brille, comme on a dit que yo le ki batunyo so nzamba au resiter mutu muswa ko yemba oleka yo. Amen. Et donc j'avais dit, si tu es secrétaire et que tu viens ici, fais ton travail avec zèle parce que ta récompense viendra de Dieu. Dans les médias, zwa eteni na yo. Comprendre que mission n'a pas de vision yo et sa média n'a comment n'a pas de souka. Nzamba kolongo la yo, ma kolongo la tonite, parce que dans la makambazo kenaye, tipa yazo koumanaye. Et si tu travailles dans l'équipe de médias, fais ton travail. Si tu ne le fais pas bien, Dieu pourra susciter quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne pourra pas remplacer Tony parce qu'il porte la vision. Osa prédicateur, osu chance à olega na mbeto yo. O esa mbeto ya passe Tony. Et si tu es prédicateur et que tu trouves la grâce de passer par les lits du pasteur Tony, les gars pour soubater, mais les gars pour payer sa vie n'a pas pour les alibosonayo. Et si tu es prédicateur et qu'on t'accorde ces lits, ne viens pas ici pour faire pipi, mais viens ici pour communiquer la vie à ce peuple. Il y a un gars qui s'arrête dans l'église, à tout gagner aux années logo nzambe kola pambolayo, et logo nzambe yosa nango et collègue logo nzamba pesa ngate pongam na encadré. Amen. C'est la raison pour laquelle moi je parle à mes enfants que j'encadre. Même si tu as un don ou un talent de Dieu, cela ne pourra jamais surpasser le talent ou le don que Dieu a placé en moi parce que je suis la personne qui t'encadre. Mais na lobi na yo makolo na solo na nzambe na mwasi na nga zalaki te bana bazalaki te bongo yo mundimiro ya olega likola mission de ni ponga na solo makam na solo na nzambe mutaoye bata o pe passer toni ba solo na nzambe mutaotika na koyi awe bza ta mwasi na yete. Amen. C'est la raison pour laquelle le jour où moi je me suis entretenue avec Dieu, ma femme n'était pas là, les enfants n'étaient pas là non plus. De la même manière que le pasteur Tony, lorsqu'il s'entretient avec Dieu, sa femme n'est pas là non plus. Et alors, il ne pourra pas surpasser au-dessus de sa tête. Yawana ebisaka mwasi na nga, oza mondimi banana salon tine église. Ozalaka mwasi na chambre. Parce que oto solana nzambe na otika loye bisote. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à ma femme, toi tu es chrétien depuis le salon jusqu'à l'église. Seulement dans la chambre, tu es ma femme. Parce que la discussion que nous avons eue avec Dieu, toi tu ne pourras jamais le savoir.
Amen. C'est la raison pour laquelle moi je n'admets pas les personnes qui viennent en disant, Pasteur Tony, j'ai failli me disputer là-bas pour toi. Parce que dans la prostitution où j'étais, je cherchais quelqu'un pour venir me délivrer. Personne n'avait pu être trouvé. Amen. J'étais devenu comme un chien. Lorsque je revenais de Lunda, les mamans attachées gardaient, bloquaient leurs enfants à la maison. J'avais de l'argent, mais je n'avais pas la valeur. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la valeur. Parce que je me suis attaché à Dieu. Attache-toi à ce Dieu de ces pasteurs et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Et utilise ton poste à toi, mais n'étouffe pas les autres qui immergent, parce que eux aussi ils ont leur part de mission. Amen. Comme tu travailles dans l'équipe des médias, ne bloque pas ces postes en disant que c'est à toi. Non, ces postes là c'est le pasteur Tony qui t'a donné, mais lui c'est Dieu qui lui a donné cette responsabilité. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Bondimi sami nanga elongo. Bamusu bazondi mameni ka pona ondi mamite mezo swa banga longwa wana kevan. Et certains sont en train de répondre amen, mais en ayant un pincement au cœur en disant qu'il aille seulement s'asseoir. Alléluia. Amen. Nayebi bino. Je vous connais. Je nous connais. Nayebi biso. Je vous dis, soto je vous to na lomi longoli. Donc je ne peux pas dire vous autrement, je me retranche moi-même. Alors je nous connais. Tu crois que parce que je te parle et que moi je n'ai pas été à l'école? Je nous connais. Je nous connais. Nangana bino. Vous et moi. Tozana kata ici kamo. Nous sommes au même endroit. Il faut changer pour nous embrasser par la biso. Nous devons changer pour que Dieu se réjouisse de nous. So bokilo na lingaka ote sambela o lingayo. Si ta belle-mère ou ton beau-père ne t'aime pas, prie, alors il va t'aimer. Mais ne le déteste pas. Parce que ces choses est un ministère de complémentarité. Il n'y a personne qui surpasse l'autre en divinité. Seul Jésus-Christ surpasse tout le monde. Mais ma grâce n'est pas différente. Mais ce sont des grâces qui diffèrent. Et si tu essayes de copier le pasteur Tony en disant rabababa, ta main va rester suspendue. Je suis en train de mettre en garde la prédication en disant que moi j'ai une chose de Dieu. Je vous mets en garde. Il faut être humble. Il faut être humble. Comment il dit ça? Et c'est alors que Dieu saura vous élever. C'est la raison pour laquelle vous voyez moi-même, je me méprise lorsque je me tiens devant la chair. Afin que celui qui est à moi soit élevé. Et si il s'élève tel que je l'ai élevé, il ne m'a pas me laissé comme je l'ai élevé. Il va me laisser faible avec lui. Et si... Et si tu veux rendre Dieu faible par rapport à ton désir, alors élève-le. Et Dieu aussi t'élèvera en retour. Il a dit que celui qui élèvera le fils de l'homme aussi va le lever. Regardez, lorsque tu élèves la femme, lorsque nous étions en Égypte, et si tu élèves la femme, et cette femme deviendra faible devant toi, homme. Et en Égypte, j'avais un langage et les gens pensaient que c'était des fétiches pour les femmes. Et là où tu dis qu'il les dit seulement et qu'on entende, qu'il les dit seulement qu'on entende. Et je donne cela comme un témoignage seulement, que tu ne puisses pas l'utiliser parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen.
Le témoignage, c'est ce qui fait la force de nos ministères. Et j'avais dit au pasteur Tony, la maison, je lui ai dit, celui qui ne voudra pas qu'on puisse diviser son témoignage, alors il ne faut pas prier pour lui, parce que toi, tu as voulu regarder les témoignages d'autrui et tu ne veux pas qu'on regarde ton témoignage à toi. Je suis en train de monter une équipe de mamans pour prêcher sur le mariage quand je suis fort dans ce domaine. Alors certaines mamans ont commencé à fuir l'église. Et quand maman, et donc les gens savent, comme je suis une personne qui marche dans la droiture dans mon église, lorsqu'une femme rencontre des problèmes dans son couple et qui ne vient pas à l'église, le jour où elle viendra expliquer ses problèmes, je dirais, Seigneur, merci, fais en sorte qu'elle puisse perdre son mariage, endurcir le cœur de son mari, qu'elle puisse encore la détester davantage. Alléluia. Amen. Parce que tant qu'on a monté, Marie va rebattre la libale. Et parce que lorsqu'elle va se repentir, c'est alors qu'elle saura préserver son mariage. Oui, alors, Ramadesu, Abuga Ramadesu. C'est lui qui sème les haricots, moissonne les haricots. Et tu as fui l'église, le Seigneur est allé, alors il a cassé si ton couple. Et Dieu est un Dieu d'intérêt. La, quelle raison pour laquelle je vais prier pour toi en disant le Seigneur réconcilie ces couples avec quel intérêt? C'est lui qui prie beaucoup, c'est celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais Balinga mikati na Yesu ya sikeye. Ya sikeye. Na ta bido ya sikeye. Faut que tu n'aies ni yango. Café chrétien. Café chrétien. Émission na yo, émission na yé, émission.